Bonjour chers explorateurs de conscience. Aujourd'hui, je fais une petite dédicace à mon plus grand fan qui a 4 ans et qui ressent la vibration des mots. Et donc, comme sa maman m'expliquait qu'elle lui posait un papier peint avec des étoiles, avec le cosmos, et qu'il regardait toujours le ciel, ben, j'ai eu envie de lire cette poésie que j'ai écrite aussi une nuit, que j'arrivais pas à dormir et que je me reconnectais aussi avec le cosmos. Donc voici cette poésie. Perle d'étoiles. Perle d'étoiles sur mon corps comme un voile. Vénus de l'univers, vous illuminez notre terre. En hiver, comme en été, quand le ciel est dégagé, ce spectacle de légèreté me fait la tête tourner. Manteau de nuit, mon toit, mon abri, dans votre lumière je suis, j'exalte et je revis. Merci, perle d'étoiles, sur mon corps, comme un voile, vous réchauffez mon âme par la grâce de vos flammes. Quel bonheur de découvrir des astres qui inspirent un collier de vers à écrire qu'une plume fait courir. Toujours je serai guidée, mes voeux exaucés, quand l'une de vous filez pour vous régénérer. Perle d'étoiles sur mon corps, comme un voile. Vénus de l'univers, illuminez longtemps notre terre. Je tiens juste à préciser à cette fin de fable, de poésie, pardon, que Vénus, c'est Vénus est venue aussi. Hein? Donc on peut lire venue de l'univers. Mais bon, voilà, avec ma planète. Autant la nommer. Voilà, et eh bien écoutez, si cette vidéo vous plaît, hormis qu'elle est pour Enzo, donc en dédicace évidemment, hein, elle est pour tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis je vous invite aussi à découvrir mon interview que Muriel Amram ma fête, et vraiment c'est pour enfin, qui explique un petit peu tout mon monde et donc pour s'auto-guérir en conscience avec la thérapie quantique. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, amour et gratitude, cher explorateur de conscience, et au très grand plaisir. Merci, au revoir.